Les Borac, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le débrief entre Lyon et Bordeaux. Oui, je suis en partance pour le rugby. Là, j'aurais dû voir le match comme je vous l'avais bien dit. Bon, c'est pas le bout de Toulon, mais nous, Stade français, Paris, rugby. Bref, allez, on débrief tout de suite ce match. Donc, on va voir les compositions d'équipe pour commencer, ce qui est très logique. Celle qui nous intéresse le plus, c'est la composition lyonnaise. On se doutait que ça allait être cette composition lyonnaise avec un 4-4-2 en losange. Lopez dans les cages, Raphaël, Marcelo, Denayer, Mendil pour les défenseurs et le gardien. Le milieu de terrain avec Aouar, Ndombele et Touzard. Touzard la sentinelle, bien évidemment. En 10, Nabil Fekir, le capitaine lyonnais qui est de retour après environ un mois d'absence. Et en tant que titulaire, Memphis, Dembélé pour les deux attaquants de pointe. Oui, pour une fois, Gignyou ne veut pas un gaucher qui rentre à droite et un droitier qui rentre à gauche. Il a fait le choix d'aligner ces deux joueurs qui s'entendent bien, on a vu sur les derniers matchs quand ils ont joué ensemble. D'ailleurs, Dembélé, l'autre fois, aurait pu marquer tout seul, a décidé de l'offrir à Memphis, ce but face à... je sais plus quel match. Face à Angers, là. Angers, pardon, voilà, je retrouve. Maintenant, on va voir le fil du match. Bon, bah, on n'a pas vu trop grand-chose en première période. On va avoir des frappes un peu de loin côté bordelaise, mais bon, c'est tout. Vous voyez le lié là, il fallait faire dodo. Bref, voilà, c'était un match où on s'endormait. Donc, 36e minute. Ballon perdu par Memphis qui a été nul à chier ce soir. Excusez-moi pour le mot que je viens de dire, mais bon, voilà. Ballon donné à Brion dans la profondeur. Il lobe Anthony Lopez, mais qui enroule à l'angle de la surface. Pardon, sur le deuxième période de l'homme. Mais, c'est Lopez qui sort la passe du bout des doigts. J'aurais pas pensé qu'il était touché, mais si. L'arbitre a sifflé corner. Je fais confiance à l'arbitre, mais il veut la VAR autrement, mais oui. Il y a corner, bref. Voilà, donc une première période médiocre côté lyonnais. Mais heureusement, les gones ont ouvert le score. Oui, 45e minute. C'est Memphis Ndombele Fekir, un jeu à 3. Puis un centre du capitaine pour la volée de Oussam Aouar qui ouvre le score, qui avait perdu beaucoup de ballons jusqu'à présent et qui se réveille dans ce match, qui ouvre son match, on va dire ça comme ça. Qui se réveille. Voilà, il n'était pas bon depuis très longtemps. Et. Là, ça lui fait du bien de marquer. Il marque souvent en ce moment. Il a 4 buts en championnat. Voilà, on va voir la deuxième période avec à la 60e minute. Memphis qui parle ballon. Voilà, c'est là ce lob brillant et encore lancé dans la profondeur. Le lob sur Anthony Lopez et ça rafle le poteau. Le poteau. Voilà, ça rafle le poteau et ça va passer à côté. Bon, après quelques petits cafouillages, Cornelius, une volée égalise à la 73e minute. Donc, je vais dire un mot, c'est un match de merde. Il y en a un, il m'a épaté, ça fait deux matchs qui rentre, enfin l'autre fois titulaire, c'est Joe Ferry, il a fait encore une très bonne entrée. D'ailleurs, ça nous donne le truc de passer dans les tops et les flops tout de suite. Comme des tops dans ce match de merde, bah, je vais mettre l'entrée de Jordan Ferry, hein, magnifique entrée, agressif comme d'habitude. Mais lui, il a essayé de bouger ce match, il a essayé de faire quelque chose, bon il n'y est pas arrivé, il n'y a pas que lui. Mais voilà, c'est le seul top que je vais retenir de ce match. Ce même côté bordelais, il y a eu beaucoup d'occasions gâchées, tout ça, d'erreurs techniques de chaque côté. Donc voilà, des pertes de balles inappropriées, où on n'a pas le droit de perdre des ballons dans ces endroits-là. Donc c'est le seul que je retiens dans les tops. Les deux flops, je vais mettre bien évidemment, je vais mettre Memphis dans les flops. Et je vais mettre même Moussa Dembélé qui a rien foutu du match, très clairement. Voilà, et il ne va pas chercher les ballons derrière. On peut mettre Bertrand Traoré aussi, on va mettre les trois, tiens, voilà. Il y en a un qui rentre, qui se fait un tout petit peu mal. Ah, j'ai mal et je peux pas courir, alors il faut qu'il arrête de faire son Neymar. L'autre qui marche sur le terrain, même s'il n'a pas envie de jouer. Et l'autre qui a pas de ballon. Ok, t'as pas de ballon, peut t'excuser, mais je vais reprendre un exemple. J'étais pas né à cette époque-là, mais bref. Bernard Lacombe, à l'époque, en équipe de France, ce qu'on m'a dit, il allait chercher les ballons derrière et il se les ramenait. Donc voilà. Il faudra peut-être que tu ailles chercher les ballons, oui, ça, tu marches aussi. Bref, voilà, ces trois-là, ça va mettre dans les flops, voilà. Donc, il y en a un ras-le-bol de ces joueurs qui n'ont pas envie de jouer, voilà. Alors là, j'en ai un peu ras-le-cul de ces joueurs, maintenant, je vais vous dire au revoir. Excusez-moi, je me suis un peu énervé, mais c'est tout. Picsou, tu vas devoir, je rappelle Picsou, bref. Oula, ça coupe-leur un morceau de leur salaire pour... là, l'autre fois, tu lui as remis son salaire là, quand il est rentré, Memphis, en retard. Coupe-lui un bon coup pour qu'il comprenne. Ce joueur, c'est une tête de mule dans sa tête. Il est bon quand il veut, mais c'est une tête de mule. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Mettez un maximum de likes, abonnez-vous, commentez la vidéo. Et je vous dis, Kishel Pali, à la prochaine. C'est à moi ce soir pour le rugby. Salut!